Vous choisissez bien vos endroits pour vous sentir mal. Je choisis rien du tout, c'est bien ça le problème. Vous êtes malade? Papa. Pardon? Je suis papa, depuis 3 jours. Ma femme quitte la maternité aujourd'hui. Vous êtes angoissé alors? Pas assez pour m'enfuir, mais trop pour avoir envie de vous faire la conversation. Chaque nouveau-né est le signe que Dieu n'est pas encore découragé des hommes. C'est de vous cette connerie? Tagore. Vous n'êtes pas de gosse, vous? Non. Je l'aurais parié. Pourquoi? Vous n'êtes pas marié? Moi non plus. J'avais rien prévu. Pas de mariage, pas de boulot, pas d'appart, mais je me retrouve avec un mioche. Votre amie, elle sait que vous êtes aussi enthousiaste à l'idée d'être papa? Non, je lui montre pas, mais depuis une semaine, j'ai par moments du mal à respirer et je me mets à trembler. Crise d'angoisse? Vous êtes médecin? Non. Expérimenté? Je souffrais de beaucoup des nerfs quand j'étais jeune. Je faisais des crises dès que j'étais sous pression. C'est l'heure de vous être passé? Oui. Vous avez une recette? Vous seriez venu un peu plus tôt. Et si je tourne de l'œil, vous appelez un médecin. Vous n'avez pas de problème, vous, ça se voit. Je n'ai con avec ça. Je vous ai pas demandé de me parler. Je voulais pas vous laisser comme ça. Ouais, parce que vous croyez que vous m'aidez, là. Votre amie, elle va bien au moins? Ouais, merci pour elle. Elle est heureuse? Bêtement, ouais. Comment il s'appelle? Gabriel. Il est de vous? Le prénom? Ouais, si on veut. Pourquoi vous avez pas de gosse? On n'a pas pu. Vous êtes marié alors? Oui. Vous êtes heureux? Je l'ai toujours été. Ça me déprime encore plus de parler avec vous. Vous êtes malade au moins? Ah non, pourquoi? C'est un hôpital ici. Les gens qui en usent les bancs ont d'habitude une bonne raison de le faire. Bon, je vous laisse. Les emmerdes m'appellent. Vous allez y arriver? Assumer un gosse, une famille, des factures, non? Ah, vous allez voir que si. Au lieu de me charrier, dites-moi au moins ce que vous faites ici. J'ai perdu ma femme, aujourd'hui. On a vécu ensemble 35 ans. Ma dernière crise d'angoisse remonte à mon premier rendez-vous avec elle. Pas de gosse alors? Elle n'a pas pu avoir d'enfant, alors on a fait 100. Mais on a bien fait quand même. Ça vous a manqué? Faut que tu sois bien con pour me poser une question pareille. Tu aimes ta femme? Ouais. Je suis désolé. Ça a l'air d'aller mieux. Je t'attendais au premier. Je discutais avec monsieur... Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre. Il dort? Ouais. Je vous laisse. Félicitations, mon garçon. Ça va l'air d'aller. Asseyez-vous, je prends votre tension. Ça va aller, docteur, merci. Ça va aller. The fallen leaves drift by my window. Those mellow humming leaves of red and gold. I see your lips and those summer kisses. Oh, those sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days seem long, and soon I'll hear, oh, winter song. But I miss you most of all.